Chose promise, chose due. En juillet 2022, lors des campagnes électorales relatives aux législatives, la candidate Arlette Soudan-Nono promettait aux populations de Mbama des forages pour pallier les problèmes de pénurie d'eau. 6 mois après son élection, elle a remis officiellement ses forages aux habitants des 2 quartiers de Mbama Centre en signe de remerciement. J'ai tenu symboliquement venir inaugurer ce forage ici parce que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour moi, c'était l'urgence. Satisfaite de ce geste, la population a exprimé sa gratitude. Je suis trop content. Vraiment, on a été au besoin de forages. L'eau, ici à Mbama, il a fait 3 forages. Je suis trop satisfait parce qu'auparavant, il n'y a pas d'eau. Signalons que le premier forage se situe au quartier Vaux et le second au quartier Titéi.